Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter un insecte étrange qui a la capacité de se fabriquer un camouflage très convaincant. Les psychadés sont une famille de papillons, plus communément appelés psychés, mais on les surnomme les portefaix en rapport au métier qui consistait à porter des fardeaux. Les chenilles de psychidés construisent un fourreau de soie et d'éléments prélevés dans l'environnement, tels que le sable, la terre et divers débris de végétaux, donnant un très bon camouflage naturel, leur principal prédateur étant les oiseaux. Au fur et à mesure de sa croissance, la larve rajoute des matériaux à son fourreau en liaison à sa taille grandissante. À l'âge adulte, le mâle ne survit que le temps de se reproduire à cause de son appareil buccal qui est atrophié, ce qui l'empêche de se nourrir. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, la larve sort sa tête et son thorax hors de son fourreau pour se tracter, se déplacer, mais également pour s'alimenter sur les plantes ou les arbres qu'elle parasite. Le cycle de vie des psychés est annuel. La chenille construit son fourreau dès son éclosion et y passera la durée de son stade larvaire. Ensuite, le fourreau se ferme et la métamorphose commence. Une fois celle-ci terminée, les papillons en sortent pour aller se reproduire. Pour la femelle adulte, c'est un peu différent. Elle sort de son fourreau le temps de l'accouplement, mais y retourne pour pondre. Ainsi, la boucle est bouclée. J'espère que cette vidéo aura été instructive et si c'est le cas, merci de la partager ou de laisser un commentaire. Au revoir.